Bonjour, bonsoir, c'est Internet, c'est votre professeur spirituel Ahmed Akiler, tout simple 24 sur 24, 16 sur 7. Je tiens à vous dire que désormais nous avons une nouvelle page, toujours professeur Ahmed Akiler. Et j'ai publié ça. Et je vais le mettre dans le commentaire de cette vidéo. Une nouvelle page sur qui vous allez, sur lequel vous allez voir différentes astuces et rituels. Et je vous demande toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, partagez la vidéo. Voilà du sel que vous voyez, de l'eau transparent. C'est dans un verre. Et c'est pour vous parler de l'eau consacrée. Eau consacrée. Comment consacrer une eau? Avez-vous déjà essayé ceci? Une fois, je ne pense pas. Mes très chers abonnés, mes très chers internautes, je vous conseille de le faire parce que c'est très puissant. Cette puissante eau consacrée dans vos chambres, c'est une eau qui pourrait vous sauver en cas d'invisibilité ou de difficulté. C'est une eau qui lutte efficacement contre les mauvais esprits, comme vous le voyez. Et pour le faire, vous avez besoin du sel de cuisine, bon, d'un bol, ici j'ai un verre. Vous allez faire bouillir l'eau pendant 3 minutes sur le feu et vous allez laisser refroidir. Vous allez verser l'eau dans le bol. Bon, moi je l'ai versé dans un verre. Vous allez mettre vos deux mains sur l'eau et vous allez dire ceci. Pour ceux qui ne vont pas pouvoir le retenir, vous pouvez voir, ça sera dans les commentaires ou dans la description aussi. Je t'exauce. Ô créateur de l'eau, de toute négativité vue et invisible, et je te bénis au nom de la déesse divine. Vous allez prendre le sel et vous allez dire ceci. Je t'exauce, ô créateur du sel, de toute négativité vue et invisible, et je te bénis au nom de la déesse divine. Vous allez verser le sel dans l'eau et mélanger trois fois dans le sens des aiguilles d'une montre précisément. Et vous allez dire ceci, je nettoie et consacre cette eau au nom de la déesse divine, que ce liquide améliore et purifie tout ce qu'il touche. Alors, soyez-le. Si vous le pouvez, plus tard, vous laissez l'eau toute la nuit sous la lumière de la lune. Cette eau est vraiment puissante pour neutraliser toutes sortes de mal.